Transporteur, ramène-moi sur le parking, c'est que ça saute, à droite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai des frérots qui sont venus de la ville de Dole. Ouais, excuse-moi, Dole. Donc ils nous ont ramené cette magnifique RS6 Mazou. On va tout vous expliquer. Ça va les gars? Ça va. Tranquille? Tranquille. Vous avez fait bonne route? Ouais, c'est pas loin. Du coup, vous venez de... Dole. On dit Dole. C'est quoi, 200 km de Lyon du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. 200 km. Ouais. 200 km, donc père et fils sont venus avec cette magnifique Audi A6. Donc ils vont m'expliquer du coup ce qui a été fait dessus. C'est comme vous voyez là, pare-choc RS6, grosse jante, etc. Il y a eu une modification et on va les écouter. Bon frérot? Ouais. Tu vas nous expliquer du coup? Bah je te dis tout, je vais tout expliquer pour le père. Bah c'est le père, du coup c'est la voiture à qui? Au papa? C'est la voiture du padre. Et c'est le fils qui explique. Allez, le fils il va tout nous expliquer. Donc dis-nous tout, c'est quoi comme motorisation? Bah déjà c'est le 3 litres V6. Ouais. En 204 chevaux. Donc c'est le 204. C'est car... 204, c'est pas la S6 comme tu as dit tout à l'heure, c'est la A6 S-Line. Et c'est pas le 313 chevaux biturbo, ni le 326. On aurait préféré quand même. Ouais, après 204 ça marche ça va déjà très bien, il y a assez pour s'amuser déjà. Voilà, elle est de quelle année du coup? Elle est 2012. 2012, ouais. Et du coup, vous avez fait une transformation Transformation, un peu look RS6 entre guillemets, quoi, que ça ressemble. Voilà, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, elle a vachement le look de la RS6, on va pas se mentir. Beaucoup de monde qui s'y trompe des fois, hein. Ah ouais? Grave, c'est vrai en plus. Alors du coup, dis-nous tout, qu'est-ce qui a été fait dessus? On va commencer, on va te montrer le devant déjà en premier. Allez, on commence par le devant. Donc devant, il y a eu le pare-choc de changer. Ouais. Avec calandre. D'accord. Avec rajout Maxton Design Glam en bas. Ouais. Avec les côtés et le derrière qu'on va les voir. Le quattro en rouge. Quattro en rouge, la grosse calandre nid d'abeille. Voilà, la grosse calandre nid d'abeille qui est fournie avec le pare-choc. Ah, il n'y a pas le petit logo RS6. Ah non, vous voulez pas marquer parce que ce n'est pas une. Ah, moi je l'aurais mis moi. moi ils me connaissent sur la chaîne. Du coup, on a juste voulu garder le vrai nom, S-Line. Au moins, on m'en passe, on est une. C'est une vraie S-Line alors. C'est une vraie S-Line. D'accord, c'est une vraie S-Line. En quattro. En quattro. En quattro. Ouais. Et du coup, après sur le côté, il y a les jantes de changer. Ouais. C'est du 20. Du 20? Ouais, du 20, ouais. Du 20. C'est du 20. Toi aussi, t'as un accent, comme je t'ai dit. C'est toi qui as un accent. Ouais. Donc, c'est du 20 pouces, les 20 gars. 20 pouces, ouais. Bicolore, comme ça, noir et chrome. Noir et chrome, comme ça. Je avec les étriers, pan rouge, avec un petit autocollant de la société. Voilà, on va filmer. Du coup, ça vous fait un peu de pub, les gars. Un peu de pub. C'est quoi le nom, du coup? Carrosserie ABL Peinture. ABL Peinture, les gars. Ouais. Donc, vous êtes carrossier hein, de métier. C'est ça, ouais, carrossier de métier. Ouais. D'accord. Après côté, rajout bas de caisse et lame de Maxton Design. Ouais. Ça lui donne vachement un look agressif à la voiture. Coque en noir, peinte aussi. Des chromages. Ouais. Des chromages de la voiture, les barres de toit qui ont été peintes aussi. Ouais, des chromages, les barres de toit. Après de côté, c'est tout ce qui a été fait. Rabaissement aussi qui a été fait aussi, bien sûr, qu'on voit, je pense. Ouais. Elle a été rabaissée avec les kits. Des biellettes. Mes petites biellettes. Ouais, voilà. Toi tu nous avais montré sur ta vidéo. Voilà, donc. Grâce à toi, du coup on les a mis dessus. Donc ils ont vu ma vidéo et ils les ont commandées du coup pour la A6, ça fait plaisir. Voilà. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé là. Et les cales, ouais. Ils ont pris les cales comme moi du coup. Tout comme toi. Ah, ça fait plaisir les gars. La passion. Puis après à l'arrière il y a eu diffuseur de changer. Ouais. Feu teinté. Logo en carbone. Ouais, c'est vrai. Logo en carbone. Avant joli logo en carbone. Petit béquet Maxton Design. Petit béquet Maxton Design. Après, comment on pourrait appeler ça? Ouais, les baguettes de lunettes arrière. Ouais. Lunettes arrière rajoutées aussi, ouais. Il y a eu ça aussi rajouté en plus. Elle est vite teintée parce qu'elle n'était pas teintée. Elle est vite teintée, ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle a un joli look. Hein. Et du coup, pour l'arrière, au niveau des pots. Vous avez changé le diffuseur et on après vous avez mis. Le diffuseur, bah de base c'était déjà une sortie de chaque côté vu que c'est un 3 litres V6. Ouais. On a juste coupé les embouts. Ouais.
et on a rajouté le diffuseur avec les nouveaux embouts de l'imitation RS6. D'accord. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc voilà, je la filme du 3 quarts, les gars. Ouais. Franchement, elle a vachement de la gueule. En plus, on est en pente en avant, bien rabaissé, avec les vitres teintées, le contour des fenêtres en noir. Franchement, elle est magnifique. Donc niveau prépa, d'origine 204. Tout d'origine, il n'y a rien de changé. Et en quattro en plus. En quattro, ouais. Tout d'origine, question moteur. Peut-être par la suite. Mais... ouais. Un petit stage 1 par la suite, ouais. Comme ça, t'avoisineras les 270 ouais. de 80. Ouais, juste un petit stage 1 à la rigueur, c'est tout. Au moins, pas grand-chose. Ouais. Il y en a déjà bien assez. Ouais, il y a assez déjà. Bah, je veux bien voir le capot moteur, ouais. du coup. Histoire de voir le 3 litres sur cette version. 2012, hein, tu m'as dit. Hein. Ouais, 2012, ouais. V12. Hein V12, il a dit. Non, les gars, on va voir le magnifique moulin. Donc, vous allez voir le 3 litres TDI comme sur la 4 de mon frérot. Sauf que là, c'est la version 2012 en 204. Voilà, bon, après, rien de. Ah, ça se ressemble, hein. Un peu plus gros, du coup. Tout d'origine. Bon, on a fait une plus de place que les anciens modèles. Un petit filtre à air ou pas? Non. Même pas. Bon, faut aller voir ma vidéo sur le filtre BMC. Hein. Faudra aller la voir celle-là. Ça changera un petit peu. Ça changera un peu, ouais. Oui. Bon, bah, nickel. Je veux voir le coffre, du coup, et après, je passerai à l'intérieur. Ah, c'est une bonne caisse, ça. Au moins, tu peux tout faire. Ouais, partir en vacances. Ah, il y a vachement de la place. Hein. Petite ouais. casquette Audi. Toujours. Passionné Audi, les gars? Non, Renault. Renault, ah, tu peux, hein, j'ai une Renault aussi. Là, là, là. J'ai deux Renault, j'ai la une et la deux. Renault. Faut jamais se moquer des Renault. Non, il y a vachement de la place. Hein. Je vais me permettre de regarder l'intérieur vas-y. Que j'ai toujours pas vu. Donc je vais le découvrir avec vous, là, ma petite communauté YouTube. Ah ouais, il est joli, ouais. Intérieur semi-cuir comme ça. Ouais, Alcantara et puis Alcantara cuir. Ouais. Ah, c'est joli l'intérieur. Ah oui, j'ai fait la console en... ouais, c'est ce que je vois en carbone, ouais. Parce que c'était en chrome. Il y a des LED le soir aussi. Ouais. Pas que LED intérieur, ouais. T'as le ciel de toit en noir vu que c'est une S-Line. Ouais, les sièges S-Line. Boîte auto, c'est quoi, un 7 rapport? 7 rapport. Ouais. Non, vachement de la place, hein. Je vais voir l'arrière, du coup. Au moins, t'es bien, là. Siège électrique avant et tout. Ouais, ouais. Non, à l'arrière, t'es bien. Ah, les rideaux de porte. Ouais, de d'origine porte. Arrière aussi, sur la lunette arrière aussi, pareil. Ouais, bah comme j'avais sur mon Q7, ouais, pareil, ouais. Petit seuil de porte S-Line. Non, mais. Ouais, c'est S-Line, tout S-Line d'origine, à part. Bah, une belle config, hein. C'est ça qu'on a laissé le logo devant, S-Line. Ah ouais? Qu'on a pas enlevé. Pour rappeler le. Ouais, ouais, t'as bien fait, ouais. Mais je vais peut-être le commander en noir après. Pour changer, ouais, sur les côtés, ouais. Ouais. Ouais, tu peux, ouais, ça ferait stylé, ouais. Bah écoute, je vais bien écouter le son moteur. Allez hop. Puis après on ira faire le petit essai routier. Oh si. Bon les gars, on va démarrer la RS6. Mazout. Un joli bruit déjà à l'arrêt. Ah, petite surprise les gars, le sound active. Je sais pas si vous vous rappelez les gars, j'avais fait une vidéo chez mon frérot Vittorelli. Il avait installé le sound active sur sa BM et c'est sa spécialité. Et du coup on retrouve également la même chose. Et c'est vrai que ça rend vachement bien. C'est de là que j'ai vu la vidéo. C'est exactement le même bruit. Donc du coup, mon frérot, tu vas me faire 2-3 petits passages. Et là, on va entendre le son de la mélodie. On est parti. Tu le fais ou je le fais? Vas-y. J'ai mis les. Ah, tu peux couper et rouvrir, c'est ça? Parce qu'on en a des autres. Ah, mais il y en a un autre là. Il y a plusieurs sons, tu peux changer plusieurs sons. Ah ouais, mais ils sont bons en fait. Mais t'as plusieurs réglages. T'en as combien déjà? Moi j'en ai plein. C'est lequel? Le plus... il est joli celui-là. Fais voir, vas-y. Ouais, stylé. Allez. Celui-là c'est le plus beau pour moi. Bon, on en a téléchargé quelques-uns quand même. Mais ouais, celui-là il est sympa aussi celui-là. Celui de tout à l'heure qu'on met souvent, c'est celui de la R8. D'accord. Ah, celui-là il est joli, ouais. Celui-là c'est un autre. Ça fait du bruit, hein. Pas pour une ancienne.
enceinte. Pour une enceinte, ouais. Stylé, hein. Bon bah les gars, on va aller faire le petit essai routier. En tout cas, joli petit son moteur. Bon, vous savez, c'est pas une RS, une vraie RS6, mais c'est une RS6 Mazou. Donc je peux te dire que c'est quand même pas n'importe quoi, hein. On n'en voit pas tout le monde. Non mais c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Regardez. Joli son. Hein. Bon, on est parti. Ouais, on va faire l'essai routier. Bon les gars, avant que le frérot part, regardez ce que je lui ai mis. Je lui ai mis le logo RS6. Je vous dis que c'était, je vous dis que c'est une RS6. Et regardez ce que j'ai mis aussi. Le balayage des aiguilles. Vous êtes contents les gars? C'est magnifique. J'ai géré. Ouais, j'en ai. On en a profité les gars parce que j'avais la valise, donc je leur ai mis les options en plus, balayage des aiguilles et logo RS6. Au top, par le contre, transporteur je peux, au top. Je peux plus l'enlever, hein. C'est mort. Hein. Ça non, reste, non. C'est pas grave. C'est fini. Là. Voilà, faudra venir ici à Lyon. Voilà, ce serait une excuse. Bon les gars, on se retrouve à bord de la RS6 Mazou. Voilà, je préfère l'appeler la RS6 Mazou parce qu'elle a franchement une configuration entre les pare-chocs avant-arrière, le diffuseur, le sound active. Il m'a montré les réglages sur le téléphone. Par Bluetooth, on peut changer la mélodie, franchement c'est super bien. Donc encore, je voulais dédicacer Sylvain de Vittorelli parce que franchement c'est top comme, comme option. Parce que moi j'ai connu ça chez lui à l'époque. Donc on est parti, bah écoute. Ça va? Oui, ça va. Il fait beau. Il fait beau aujourd'hui. Par rapport à hier. Ouais, parce qu'on avait annulé le premier rendez-vous parce qu'il faisait pas beau. Et du coup, bah aujourd'hui il fait un beau temps. Il y avait de la neige. Ah, il a neigé vers chez vous? Ouais, on avait des flocons. Ouais. Il faudra que tu ailles à gauche, là, comme le Zafira. En tout cas, on est bien installé, c'est confortable. Vas-y, c'est bon pour moi. Et là, c'est bon. Une très bonne voiture, hein, pour une 2012. Franchement, c'est Audi, c'est exceptionnel. Puis même les nouvelles, hein. Peut-être pas les derniers A6, mais les nouvelles, elles sont encore au goût du jour, là, les 2018. Ouais. C'est le même intérieur, hein, franchement, les sièges tout pareil. Et là au rond-point, il faut que tu ailles tout à gauche là-bas. De toute façon, des 2012 à 2018, l'intérieur c'est le même. Ah, c'est tout pareil. Il, hein, y a que l'extérieur, il y a 2-3 petites différences et tout. Les, oui. Les éclairages qui changent et 2-3 petites modifications. Bah, moi, mes préférés, tu vois, c'est la C6 et la C7. Ouais, moi aussi. Il faut que tu ailles tout droit là-bas. Tu payes cher en assurance? Après tu dois avoir 50% du coup. Bah, j'ai plusieurs voitures, c'est assez. Ouais, à la flotte, ouais, avec le garage. Voilà. Ça faut que je. Bah, niveau, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Niveau consommation, ça consomme pas trop. De toute façon, moi le 3 litres, je le connais. Ça si en ville, ouais. En ville, ouais, à peine plus. Sinon après, sur retour tout ça, non, pas grand chose. Franchement, question de consommation, c'est correct. Ouais. Tu pars en vacances, pas quand on va au Portugal. Ouais. Tu mets le plein à Dole. Ouais. Tu remets le plein où après? En Espagne, milieu d'Espagne. Ouais, au milieu d'Espagne. Au milieu d'Espagne, tu vois, pour te dire à peu près, tu fais avec un plein, tu fais 1200. Ouais, ah, 1100, ouais, 1100 km. Moi, avec la 8, j'arrive à faire 1000 bornes que de l'autoroute et je suis en fond de réserve. Ah ouais, mais c'est ça. C'est ça, ouais, c'est bon, ça consomme rien. Hein. Là, je te laisse prendre à droite au rond-point. Donc, en tout cas, les gars, on est bien dedans. Boîte auto, c'est confortable. Du coup, t'as pas eu de vibration avec les cales par hasard? Non, rien du tout. Non. Arrive à 110, 120. Non, elles sont trop petites pour ça. Parce que moi, j'ai eu des vibrations, mais rien à voir avec les cales. C'est pour ça que j'aime bien demander aussi pour savoir si ça venait de là, mais en fait, c'est pas ça. Ah, moi, oui, je pense que j'ai peut-être mes cardans fatigués, je sais pas. Après, ouais. Même depuis que tu l'as rabaissé, t'as rien senti? Donc, c'est non, ni les cales, ni le rabaissement. Moi, j'ai déjà fait 1000, plus de. Bah, j'ai déjà fait 2000. Bah non, pas, t'es allé au Portugal, t'es revenu, t'as fait presque 3000 km. Rien. Ah ouais, non, bah écoute, moi je dois avoir un autre problème. Alors, j'ai changé deux fois les pneus, mes jantes. Calibrage, non. On me l'a refait plusieurs fois. C'est quand tu freines ou pas?
Non, c'est en roulant. Dès que j'arrive à 110, je sens une légère vibration dans l'habitacle au niveau de la construction. T'as pas une hernie sur le pneu ? Ouais. T'as tu le sens toi aussi un peu ? Ah, mais ça c'est autre chose alors, ça va être. Peut-être l'arbre de transmission, ouais, taillé à droite là. Non, parce que les pneus, je les ai changés deux fois. C'est que c'est pas ça, alors j'ai pas. Donc l'arbre de transmission, il aura peut-être un jeu, les cardans. J'ai changé l'avant droit, mais j'ai pas fait le gauche. Et le support. J'ai pas fait 10 plaquettes avant, ça pourrait jouer, hein. Tu sais, s'ils se voient les. Ah, bah c'est oui. Ça peut jouer ça aussi, peut ouais. Faire... Putain, ça pousse quand même, hein. Ah, le diesel, les gars, ça marche, hein. Le turbo, ça envoie. Le mazout. Ouais. Pour ceux qui aiment pas les mazouts, en tout cas, ça bombarde. Ah, chez les Allemands, le mazout, ça va très bien. Ouais. Putain, on le sent le bruit, hein. Regardez, les gars, on fume le Q3. Les gars, t'as un rond-point là. Ah, ça marche bien. Ça freine bien. Moi, je te laisse faire demi-tour rond-point et on refait la même route. Ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Ah, ça frotte, c'est quoi, dans les ailes ou... Ouais, c'est les ailes qui frottent le passage, la roue. Trop large ou trop basse? Oh, ouais. Peut-être trop basse et trop large en même temps. Ouais. Ça marche bien. Ça tire. Je vais regarder si t'avais de la vibration comme moi. Fais gaffe. Oh, c'est bon. Ouh, ça va pas? Pourquoi tu nous as fait ça? Les gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a doublé. J'ai pas filmé. T'as pas filmé? Non. Tant mieux. T'aurais pas dû faire ça en plein virage. Il est fou. Oh, tu voulais me tuer ou quoi? Non, il y avait le temps. On voulait tuer le transporteur. Non, il y avait pas le temps. On était en virage. Il y avait pas de visibilité. Je voulais tuer le transporteur. Ramène-moi sur le parking. Je vais où? Et que ça saute. À droite. Il est fou, il voulait me tuer. Non. Au feu à gauche. Qu'est-ce qui lui arrive à ton père? T'as vu que je pouvais accélérer. Fais gaffe, il y a la Clio à me sortir. Ouais, mais pas de doublé. Il y avait qu'une, il y a une voie chacun. C'est le même, en fait, c'est le même chemin qu'on a fait l'aller-retour. T'aurais pu nous tuer là. J'ai eu peur. On a fait mourir. Au feu, faut qu'on aille à gauche. Là, faut que je te mette à gauche. T'as rien bu avant de partir? Oh non, pas du tout. Tu fais pas le ramadan, toi? Ah non, je suis portugais. Bah, ouais, faut faire ramadan, les gars. Faut que tu fasses le ramadan. Me demande s'il a pas bu quelque chose. Non. Mais tu nous as fait un truc de fou, quand même. Bon. Oh, bah ça a passé. Oui. Oh, t'inquiète, j'ai déjà fait pire. C'est pour ça que je veux une essence. Ah non. C'est pour ça qu'on fait pas de stage ni rien. Il y a pas besoin de stage. Il y a pas besoin. Siège chauffant du coup? Non. Ah, t'as pas les sièges chauffants? Non. Tant mieux, parce que ça abîme, moi je trouve. Ouais, c'est pas faux. Le cuir. Ah, ça le chauffe. Ça abîme. Ça craque et tout avec le temps, c'est pas bon. Après, t'as l'avantage pour l'hiver et l'inconvénient, bah, que ça abîme un petit peu. Voilà. C'est ça. Mmh. Non, mais en tout cas, elle est bien, hein, avec la lui brossée et tout. Justement, mets ça, toi. En imitation carbone. Ouais, stylé, ouais. Une petite mousse carbone. Non, mais c'est une bonne caisse. Droit, ouais, tout droit, et on prend à gauche, on va retourner sur Meupla. Là, le seul truc qu'on voudrait changer, c'est le volant. Oui, t'aimes pas? Ah, le Meupla, t'as volant Meupla, ouais. Ouais, pour sortir avec le kit extérieur, ouais, voilà. Et finir le truc, quoi. Ouais, je vois c'est ce que tu veux dire. Mais ça doit être pas donné, non, et c'est chaud à trouver, je pense, aussi, ouais, pour ce modèle. Bah, c'est surtout pour ce modèle, c'est chaud à trouver. Ils sont pas donnés, quoi. Et du coup, c'est ta seule voiture ou t'en as d'autres? Ouais, j'ai un partenaire pour la semaine. Ouais. Et j'ai une Mini Cooper. Ouais. Et voilà. Et celle-là. Et le fiston, là, 6C6, que tu vois. Ouais, dit. C'est ça, ouais. Mmh. Faut tailler à gauche. Ouais. Audi de père en fils. Audi de père en fils. Ouais, mon grand-père aussi en a vu. Et vous êtes pro BM ou pro BM? Attention. Audi. Allez, les gars. Attention. Bah, c'est la phrase qu'on dit le plus, on va pas se cliquer, on dit pro BM. Ouais, pro Audi, on le dit pas, mais il y a beaucoup de pro d'Audi quand même. Ouais, ouais, non, après, moi j'aime bien Audi, mais c'est vrai qu'avant j'avais déjà une BM pour ceux qui le savent. Mais... Non, pro Audi. Ouais, et vous avez déjà eu BM ou jamais? Non. Jamais. Volkswagen. J'ai eu une Golf. Voilà, j'ai eu. Ouais, lui il a eu un Golf. Une Golf 4. 4. Golf 4, ouais. Ouais, elle Golf est bien, 4. Hein. Ouais. On en 400 a 000 km, un 9 TDI. Ah, mais sacré. Incroyable. J'ai rien fait dessus. Incroyable. Oh. On
on en a une, nous, dans la famille, en 130 chevaux 4Motion. Bah, ah, la 130 filmé. Ouais, je l'ai filmé sur ma chaîne. Ouais. Bah, c'est l'une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Ah ouais. Une vieille Golf 4 TDI 1.9 litre. Incroyable. 1.9 litre, c'est ça. Ouais, c'est ça. En 130, nous, elle est. Incroyable. Et en 4Motion. Hein. Elle marche bien. Ouais, j'ai eu la TDI de 80... Quand j'avais 30 ans, c'était la... Bah, elle venait de sortir, là, on dit... Ouais. 80 TDI. Tu lui dis les kilomètres ou... La 110. La première, ouais. Ah, en là, berline, là, à droite. Ouais, là, et je l'ai amené, elle avait 600 000 km. Ah ouais, mais c'est des gros moteurs, hein, ça, tu peux aller loin. Si c'est bien entretenu, hein. Là, là. Bah, hier, je suis tombé sur un... gars hier sur YouTube. Il a une Peugeot 307 break. 307, ouais. Et 1 million de kilomètres. Ah putain. Ah oui, je suis tombé dessus, moi aussi. Je suis tombé dessus, j'ai c'est le Parisien ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu, je suis tombé dessus. Impressionnant. Et là, ça confirmait ce que je pense à chaque fois, c'est si t'entretiens bien ta caisse, bah tu ouais, peux aller sûr, loin. Pas de soucis. Après, bon, il avait changé juste la boîte, il a dit, mais même l'embrayage, il est attention les jantes. Et juste une boîte avec autant de kilomètres, c'est pas grand chose. Ouais, c'est rien du tout. Turbo, il est d'origine, hein. 1 million. C'est choquant. Oui, j'ai quand vu même. Ça. J'ai vu, ouais, tout est d'origine dessus, ouais, c'est que c'est beau ça. Elle est bien basse aussi. Hein. Tu veux échanger? Elle est bien basse. Tu, hein. tu rajoutes, hein. Maintenant que la crame il est monté dedans, à chaque fois je le dis, elle a plus de 50 000 euros. Alors là, à mon avis, si quelqu'un veut l'acheter, il y a 50 000 euros de plus que la voiture déjà. Quand hein, il y a le tonton qui monte dans la voiture, quand c'est le tonton il monte. C'est beau. Putain, elle marche bien. Oh ouais, elle marche bien. Oh, c'est beau. C'est quoi les petits trucs sur la poignée? C'est le pour c'est l'ouverture sans clé en fait. Et tu peux fermer la voiture en appuyant sur le bouton. Ça détecte et tout. D'accord. Bah en tout cas mon frérot, merci encore pour ce bel essai. Le petit frérot derrière aussi. Merci. Donc merci d'être venu, ça fait plaisir. Voilà, ils sont, à toi. Ils sont abonnés à moi il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Ils suivaient un peu mes vidéos et du coup ils ont pris contact. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous voulez présenter votre bolide. En tout cas je les remercie encore parce qu'ils ont quand même fait plus de 2 heures de route. Et merci encore à vous du visionnage, merci encore à vous d'être venu. Merci à toi. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao ciao. Non, ciao ciao. Ciao ciao. Ouais, ciao ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao ciao. Comment on dit au revoir en portugais? Adeus. Adeus. Salam alaikum. Allez, ciao les gars.